L'attorney general, le ministre de l'Agriculture, il n'y a pas connu qui y était. Il fait une conférence de presse, Saint-Brandon, c'est qui est allé au grand jour, et en conférence de presse, c'est le fait qu'il y ait une ignorance totale de sa dossier Saint-Brandon. Il y a n'importe quoi, il divague, une ignorance totale. Il permet de parler de l'île de Saint-Brandon. Jusqu'à ça, il n'y a pas connu qui c'est un archipel. Une trentaine d'îles. Il parle de l'île de Saint-Brandon. Il n'y pas connaît qu'il a sa trentaine d'îles là. Moi, je viens de l'autre, il a sa trentaine d'îles là. Raphaël Fishing et Nine Bay, il a 13 seulement. Il a sa trentaine d'îles et d'îlots là. Mais, il n'y même pas connaît clairement aussi qui, parmi les îles que Raphaël Fishing et Nine Bay, qui dépendent directement du gouvernement, l'organisation qui est dans l'île là, OIDC, et dans l'île d'Albatros, qui est parmi les plus grosses petites îles, au nord complètement, en vérité, il y a un petit peu en dehors de Saint-Brandon, au nord complètement de l'archipel de Saint-Brandon, mais là-bas aussi, nous t'allons. La mer, c'est tellement mauvais, nous va tirer ici débarquer, ni moi ni Rajesh, c'est bien, bien dangereux. Donc, une ignorance totale. L'Indien qui gouvernement n'a aucun contrôle. Il a divagué comme ça. Il n'a aucun contrôle. Il a un post Coast Guard. L'île principale de Raphaël, l'île appelée. L'île de Raphaël, il a un Coast Guard. Et il a une station météo élémentaire, mal équipée, mais il a. Et c'est gouvernement qui donne n'importe qui permis pour la pêche à Saint-Brandon ou dans les environs. Et il vient dire que le gouvernement n'a aucun contrôle. Une série de faussetés qui montraient qu'il y a une ignorance totale de sa dossier Saint-Brandon. En fait, l'île Maurice, en tant qu'il est État souverain, l'île Maurice est la souveraineté de tout l'archipel, y compris sa 13 île côte Raphaël Fishing et un bail permanent, tel que décrit par Privy Council et confirmé par Privy Council. Maurice est la souveraineté de tout l'archipel, de sa trentaine d'îles et d'îlots. Qui fait moi dire une trentaine parce que sa trentaine-là, il inclut des îles, des petites îles, mais aussi des îlots. Qui n'a pas mis quand les temps mauvais, quand il y a cyclone, quand il y a mauvais temps, l'île a disparu. Après, il fait la surface, pas loin. Donc, il y a un chiffre fixe. Il y a un certain nombre de petites îles, mais il y a un certain nombre d'îlots aussi qui disparaissent et réapparaissent. Mais en tous les cas, ça. 13 îles. Qui Raphaël Fishing est un bail permanent tel que décrit par Privy Council. Les deux îles principales, parmi sa 13-là, c'est Raphaël, l'île de Raphaël, quand le headquarters de Raphaël Fishing était, quand station météo était, quand station Coast Guard était, et l'île du Sud, complètement au sud. Raphaël est au nord, l'île du Sud est complètement au sud. C'est les deux îles principales. Bon, moi pas là, moi pas hold a brief pour Raphaël Fishing, moi donne les faits. Quand gouvernement, il n'y a aucun contrôle, quand gouvernement, il nous l'est, avec raison, mettre un poste de Coast Guard et de météo, Raphaël Fishing, en tant que compagnie, il facilite les choses. Pas une, non seulement pas une lève objection, mais il facilite les choses. Chaque fois qu'il y en a, les trois, nous l'allons en détail, les trois dernières naufrages qu'il y en a, dans les trois cas, le gouvernement finit incapable de sauver la vie d'un pêcheur qui tient à bord. Dans les trois cas, c'est Raphaël Fishing et son petit bateau qu'il y en a à Saint-Brandon même. Dans les trois cas, c'est eux qui sauvent un marin-pêcheur. Un pauvre Coast Guard, là, je ne pas blâmer. D'autres bateaux en panne, d'autres peines à l'équipement. Et dans les trois cas, c'est Raphaël Fishing
à la demande du gouvernement, qui fin sauve la vie, ça va de marin pêcheur concerné là. Et il m'a bien reconnaître que Raphaël Fishing, il fait un très, depuis des années, il fait un très bon travail de protection de l'environnement. J'ai un travail avec Mauritius Wildlife Foundation. J'ai une mission scientifique qui est là-bas, y compris le Mauritius Wildlife Foundation, mais aussi un grand expert international dans l'environnement, nos protections de nos oiseaux. Je fais un bon travail pour protection de l'environnement depuis des années. Par contre, quand nous guette performance du gouvernement, qu'il y ait d'ici, qu'il y ait pour Coast Guard là, qu'il y ait ministère de la pêche, etc., quand nous guette les déplorables. Et il y a trois épaves bateaux qui ont échoué là-bas, trois, qui sont encore là, l'eau brisant. Tous les trois. Trois. Et il y a un danger pour l'environnement, mais aussi un eyesore, quand vous guettez ça. Le premier bateau, c'est en 2015. Parmi ces trois-là, c'est en 2015. Vous guettez ça au Sabrin, depuis 2015. Bateau-là, l'eau brisant, un eyesore. Et pourtant, laisse-moi prendre en détail les trois naufrages. Premier, c'est en février 2015, appelé K-Yang, un bateau battant pavillon malaisien. Mais en fait, contrôlé par certains Mauriciens, mais battant drapeau malaisien. Ça, à l'époque-là, en 2015, moi, le relié déclaration, ministre de la pêche, de ça à l'époque-là. Vous m'avez pas cité ça. Non, l'île décédée. Grand déclaration. Within 10 days. Avant 10 jours, nous ne finissons pas ce bateau-là. L'eau brisant. Jusqu'à aujourd'hui, encore là-bas même. Jusqu'à aujourd'hui, il y a un ISO. Jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'était en 2015. Deuxième naufrage, Seamaster. Un bateau appelé Seamaster de Hassan Taher. Mauricien Hassan, là. La compagnie Hassan Taher. L'île est dans le Tasselo Albatros. Permission donnée par le gouvernement Maurice, il y a le Tasselo Albatros. Parce que Albatros, ça, mon Dieu, pour dire aux autres, à Razé, c'est quoi nous pas foutu de descendre même dans Dengui, par l'île là. Les peines à brise, hein, tranquille. Non, il y a un cas à part. Seamaster de Hassan Taher, en août 2021, échoué. En août 2020. Gouvernement ici, ministère de la pêche, à cela menacé. Quand on a titre dans la gazette, menacé. Si ce pas réussi à ça, je vous connais. Taher, à Saint-Taher, qu'il est-il voulait faire? Soit bouille le bateau là, soit coule le bateau là, quand il était là même. Ministère, nous n'avons pas de question, nous avons remorque le bateau là. Menace à Saint-Taher. Ce cas au 10-0. Bateau là encore l'eau brisant, pareil. Et troisième cas, c'est ça l'année-là, en décembre de l'année dernière. Fait que là, en décembre de l'année dernière, un bateau taïwanais, Fu Yang. Il est échoué. Gouvernement, il est tellement mal géré à dossier-là, qu'il n'est plus connu, même qu'il ne s'est pas adressé. J'ai fait une salvage team, une équipe d'experts venue depuis l'étranger. Je ne ferai de remorque spécial venu depuis l'étranger. Pour rien. Mais moi, si nous ne payons, nous ne pouvons pas connaître combien de gaspiller comme ça. Il ne ferait un salvage team venu. Il ne ferait un remorqueur venu depuis l'étranger, depuis Mombasa dans le cas du remorqueur. Il venait, pas une crise, il fait rien. Bateau là encore, l'eau brisant. Remorqueur, il réalé. Salvage team, il réalé. Mais moi, si nous ne payons beaucoup millions. Tout ça, c'est un fiasco. Ça manque ça gouvernement. Là, il y a plus de un fiasco comme ça. Mais ça, c'est un fiasco éloquent. Trois bateaux, ils ne font nos phrases. Un n'y pas une réussite retirée. Tous les trois, encore l'eau brisant. Et là, c'est là, Michel Gobine cause grand causé. Pour moi, là, j'ai un petit peu le débat. Saint-Brandon,
dit pas loin avec la route maritime internationale très très importante. Et dans toutes sortes de bateaux qui allaient même entre l'Asie, Singapour, l'Inde, qui passent dans sa région-là. Miracle, qui n'est pas une bonne phrase qui m'ont dit là, mais miracle, qui n'est pas une grande catastrophe là, Wakashio. Il a une route extrêmement active pour la compagnie maritime aller venir dans sa région. C'est pourquoi nous insistons. Bien premièrement, renforce surveillance aérienne et maritime à partir de Maurice. Renforcé. Avion Coast Guard, bateau Coast Guard, renforce la surveillance aérienne et maritime à partir de Maurice et demain à partir d'Agalega. Parce qu'Agalega, beaucoup plus loin là-haut, là-bas, qui c'est un brando. Mais ça, ça va un développement qui n'est pas Agalega là. Dans l'autre dossier, il ne va pas causer pour aujourd'hui. Mais au moins, c'est la vie, ce développement qui n'est pas là pour surveillance, surtout aérienne à partir d'Agalega. Mais aussi, bien sur place. Arrête de badiner. Donne à météo, mais surtout dans la Coast Guard, l'eau l'île de Raphaël, l'eau l'archipel de Saint-Brandon, donne-nous l'équipement, donne-nous du monde, donne-nous les moyens pour faire notre travail en collaboration avec Coast Guard à partir de Maurice et d'Agalega. Je déjà demandé, dans le contexte qui m'a payé, dit à là, je déjà demandé au nom du MMM, arrête donne ban permis la pêche à ban bateau de Taïwan. Sa dernier épisode Fouyang là, juste ça l'épisode là, tu viens faire nous arrêter donne permis de pêche. Et il est intéressant que sa semaine là, on lit avant l'article. Le paradoxe de l'article dans la presse séchelloise, sa semaine-là, Seychelles, il prend la décision qui, enfin, il n'y a pas un arrêt de bateau Taïwan net. Il a encore donné permis à un des bateaux Taïwan, mais il exigeait qu'il y ait un observateur séchellois, l'eau, ça va un bateau Taïwan là. Pour au moins, il a sa contrôle. Nous avons demandé carrément, fini, arrête de donner permis. Mais l'exemple vient encore une fois des Seychelles dans sa contexte. Dernier point, amendement constitution, clairement, il n'y a pas qu'on est qui l'y peut causer. Gobine, il peut tourner général, il peut en se disant ministre de la Justice. Alors, le gouvernement pour venir avec l'amendement pour amendre la constitution. Clairement, il n'y a pas qu'on est qui l'y peut causer. En tout cas, nous, même, nous pouvons attendre, nous pouvons guetter si. Je devine de l'avant avec un amendement constitution. Nous pouvons examiner l'amendement-là très, très, très attentivement. Un sujet bien, bien important, l'également de répercussion bien au-delà de Saint-Brandon. Surtout quand il y a ce danger qui est pourri, qui est fini. Saint-Brandon aussi, comment je peux finir plus ou moins tout quelque chose à l'île Maurice. Donne certaines îles, donne Saint-Brandon. À ben petit copain qui pourrait faire un massacre, comment en général, ben dit mon MSM, c'est un massacre, c'est un fiasco. Donc nous pouvons garder, si il y a un amendement constitutionnel, nous pouvons examiner très très attentivement, nous pouvons être performance le passé de Raphaël Fishing, de gouvernement de IODC, nous pouvons examiner l'amendement constitutionnel si il y a un lit. Bien, bien attentivement, mais déjà nous bien, bien, bien méfiants, pas encore à finir Saint-Brandon aussi, comment ça peut finir toute mon institution à l'île Maurice. Merci pour votre attention. Comment je te connais, au-delà de Rodrigue Agalega Saint-Brandon, ou plutôt Rodrigue Saint-Brandon Agalega, parce qu'il y a Agalega beaucoup plus au nord là-bas, je te connais la passion qui a même mis toujours en a pour bonne question. Y compris Chagos, y compris Tromelin, tout ça là forme l'état archipel de l'île Maurice. Merci, je vous passe ta parole. Dans le passé, il y avait un cas de gouvernement
cause, pas une décision par mi-cas aussi. Toi qui m'a pas connu aucun cas, hein, déjà là, m'a pas connu aucun cas. Mais s'il n'est pas, c'est que l'Indien là, l'Indien nous pour, nous c'est-à-dire MSM, nous pouvons venir qu'un amendement constitutionnel, faire politique, type communal tout là-dedans. Ouais. Communal, type politique, communal. C'est là si tu es bourré, tu n'as pas venu qu'aucun amendement, tu connais. Et si tu venais qu'un amendement en couillonnade, qui met en question le Privy Council. Il vient bien grave, ça. Et venant d'un soi-disant attorney général. Donc, dites-moi, cette carrière, une de France, depuis le budget de 2021, il grave, qui pouvait vraiment faire estimer de pression dans cette carrière. Mais t'es, mon al reggaet, tout ça là. Donc, à tous les trois cas, mon al, mais à cette carrière, refus de remorquer dans des films médias. Le 2 octobre 2021. Refus de remorquer le navire FV Seamaster de lourdes sanctions visagées contre la compagnie Ascenta et à sa pourrique, qui est ministre, soi-disant ministre de la paix. Ça. Différence entre un requin et qu'un homme mort, il n'est pas connu. Menacé, déjà t'as le requin de Salatique là, menacé, mauvaise qualité. Fini. Zéro. Il est éloquent. Il a trois lépaves qui peut dénaturer. Ça là, s'il fait le bijou là. Tous les trois gouvernements, ils nous prouvent sur l'incompétence complète, pas une grille, s'il fait rien. Tous les trois lépaves, encore l'eau brisant. Est-ce que pour une création d'un salvage team de Maurice, qui est basé à Maurice, même avec un Mauricien qui... Vous connaissez, moi, je ne sais pas quoi analyser. Il ne peut pas cause à la légère. Certainement, disons, revoir fonctionnement ministère de la paix et ça l'autre ministère qui en sort un bateau, etc., un billet qui est official title. Certainement, bizarre, c'est incompétent complètement, je peine à les moyens du tout. Bizarre, revoir ça, mais est-ce qu'il besoin salver le steam permanent à Maurice, ils m'ont pas convaincu. Mais bizarre, un minimum de ressources matériel et humain, pour qu'il nous fasse face à dans l'immédiat à n'importe qui urgence. Et là, ça, local team là, qui va décider, c'est pas besoin de salver le team extérieur ou bien non. Mais en tout cas, le ministère de la Pêche et le ministère Shipping, on oublie ce titre officiel, le ministère de la Pêche et le ministère Shipping, même affaire, même ministère, il montrait sur l'incompétence totale. Depuis Wakasho, vini même. Dans un bon exemple, on sait plus qu'il y a son rapport Wakasho, qui pertinent. Il est révoltant qu'ils ne pas rendre public rapport Wakasho. Franchement, ça les peuples de Maurista, tant qu'on s'appelle local, mais dans quel pays ça a un quelque chose comme un Wakasho, dépense casse, faire un rapport après. Mais, à propos pour le public. Il est révoltant. On disait ça l'autre jour dans une conférence de presse, mais on aurait dit à lui. Mais tellement d'arguments, en général, qu'il ne considère pas normal qu'un routier ou un travail de personnes s'en contrôlé. On donne l'exemple, Jean-Marc. Quand j'ai une envie de faire une coast guard, quand j'ai une envie de faire une météo, non seulement Raphaël Fichin n'est pas une objecté, mais j'ai une idée. Pour ça qu'il y va. Étant donné que j'ai une compétence, ben ça va me malheurer là, ni météo, ni cause-god, pénal les moyens, pénal les moyens matériels, pénal les moyens humains, ni rien. Si j'ai envie, si j'ai envie qu'il. Vous pouvez dire, PMI pour Tourissal là-bas, passeport gouvernement. Et si vous voulez, moi, je connais. Permis pour touristes, mauricien ou bien étranger, à Saint-Brando, mais je passe pas au gouvernement. Et moi, je connais les remontes jusqu'à Security Advisor du gouvernement, qui met sur veto, qui décide combien de monde. Et où là? En plus, c'est un étranger. Ah, c'est là que je dis appel à contrôle. Et...
Oui, IODC, ou IDC, pardon, Bureau Premier ministre, Security Advisor. Bien un bon contrôle, hein, on aurait dit, bien un très bon contrôle. Parce que l'archipel de Saint-Brandon, il y a un bijou, mais il y a un bijou fragile. Il faut faire bien attention. Mais oui. Bien. Tu as d'autres questions? Si ça avait un amendement, qui compte un amendement? Écoute, moi, vous connaissez. Moi, mon corps n'est pas dans un état normal quand il fait sa conférence de presse à Moudiafra. Hein? Pas une faire alcool test. Mon cause avec un journaliste qui est présent. Personne ne demande un alcool test. Mais il partit dans l'état normal, ça joue là. Mais ils sont allés comme ça. Hein? Il y a souvent mauvais temps pour la tournée générale. Au courant, c'est un problème de Saint-Brandon là, pour qu'il vienne comme ça, du jour là, demain, pour qu'il cause tout ça là. Moi, mon Dieu, oui. Moi, prenant l'information. Mais moi, pas étonné qu'il a cuisiné indialique. Faire ça! Une galoupée, n'est ouvert. À côté Spéna, une galoupée, pour y aller faire une conférence de presse, pas une préparée du tout. Elle dit pas qu'on n'a rien. Moi, mon corps qui s'avine depuis la cousine. Pardon? Mais bien sûr. Quand vous pédiez un petit copain. Ah, tout comme on voit Cachot, t'as slow brisant, pas tout petit copain, il dit mon la cousine, parle, à le viser toi Cachot, tout s'il vous plaît, vine le bateau là, avec l'aide de la police, avec la cause quand vine le voir Cachot, mais évidemment qu'il devait être un petit copain derrière ça, il nous connaît qui c'est, quand il y en a poisson. Quand il y a anguille, quand il y a poisson, nous connaissons. Bah, il y a encore du corps. Non, merci pour aujourd'hui. Nous reste l'eau Saint-Brandon. Pour une fois, nous reste l'eau Saint-Brandon. Samedi, très probablement, nous prenons une conférence de presse politique, comme toujours. Mais là, nous faut respecter bonne journaliste. Mais c'est ouvert là, maman, tais-toi l'eau. C'est si, tais-toi l'eau, c'est là, ça va, on a besoin d'y l'eau. Ok, allez, bon appétit.